Le crédit d'impôt développement durable, en vigueur depuis 2005, évolue et permet aujourd'hui de bénéficier d'un taux unique de réduction d'impôt de 30% sans obligation de réaliser un bouquet de travaux. C'est le coup de pouce fiscal mis en place depuis le 1er septembre 2014 jusqu'en décembre 2015 qui peut bousculer le marché. Ce qu'il faut retenir, les contribuables pourront en bénéficier s'ils font appel à des entreprises avec la qualification RGE. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique s'applique aux équipements et aux matériaux et non à la main-d'œuvre. Il existe un plafond sur le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt qui est de 8 000 euros pour une personne seule et 16 000 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par enfant à charge avec un nombre maximum fixé à 4. Enfin, il est cumulable avec d'autres aides sous certaines conditions. Voici un exemple pour mieux comprendre. Le coût brut du projet de votre client atteint 10 550 euros. Nous avons 8 000 euros de matériel hors taxe et 2 000 euros hors taxe correspondant à la pose et les accessoires. Cette somme est soumise à un taux de TVA de 5,5%. Ce taux est de 20% si c'est le particulier qui fait lui-même l'installation. Si vous êtes RGE, de ces 10 550 euros, on peut soustraire jusqu'à 491 euros liés aux primes Excel et 2 532 euros liés à ce fameux crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cette somme sera récupérée l'année de la déclaration d'impôt et non au moment de la réalisation des travaux. Le coût net des travaux sera ainsi de 7 527 euros. Si vous n'êtes pas RGE, il restera de 10 550 et si le particulier s'occupe lui-même de la pose, ce chiffre atteindra les 9 600 euros. En conclusion, votre client a donc tout intérêt à faire appel pour ses travaux de rénovation énergétique à un professionnel RGE. Il est primordial de mettre en avant ce nouveau dispositif auprès de vos clients et donc de connaître toutes les informations liées à cette réforme. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre agence habituelle pour connaître notamment les équipements éligibles à ce crédit d'impôt. À bientôt.